Hugo. Bah, moi, chaque été, je passe tout mon été à Mykonos. Est-ce que tu connais? Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux points de position similaires. Rien à voir. Ah, d'accord, rien à voir. Alors, oui, et qu'est-ce qui se passe là-bas? À Mykonos? Oui. Ah, bah, sun, plage, fête. D'accord. Un peu d'alcool, des alors, femmes, des hommes. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes. Comment? Ton ami ne vient pas? Non, Mykonos, c'est ma semaine avec mes amis. Ah! Parce que oui, parce que. Chérie, tu sais que du 12 au 18 juillet, je me fais bouffer le cul à Mykonos. Oui, chérie. Donc, on n'est pas ensemble. Oui, bon, on se retrouve le 19. Donc, toi, t'as une semaine off. Ah, bah oui, bah après, on passe tout notre été ensemble, une semaine avec ses amis, une semaine avec mes amis. Ça, c'est une très belle phase. Ça, c'est une très belle. Tu fais rien pendant cette semaine? Bah si, je m'éclate. Non, mais ça t'a l'air. Quand on dit s'éclater, est-ce que ça comporte également. Tout le corps. Voilà, tout le corps entier. Bah non, je suis en couple, cher Mathieu. Donc, tu fais une semaine, tu t'éclates, Hugo, mais rien. Ah, bah non, rien. Quand même je peux ne pas baiser pendant une semaine, les fous. Non mais attention, même pas un petit... Un petit quoi? Un petit frottard. Rien du tout, quoi? Cyril, rien. Même pas un petit quoi? Un petit touche. Un garçon sérieux. Non mais attendez, après si on danse, on est en soirée, des gens qui dansent, je suis pas non plus, je vais pas non plus jeter les gens. Si alors, à partir de quand on considère que c'est trompé? C'est ça l'affaire. Est-ce que une galoche... Mathieu, tu me regardes de façon dubitative. C'est couple libre. Non mais alors... Mais n'importe quoi. Tu peux pas ton mec partir seul à Nikonos. Non mais attendez, vous êtes fous quoi? Il y a plein de couples qui peuvent partir en vacances sans leur mec et leur meuf. Hugo, moi j'ai confiance en toi. Bah et moi, depuis des années, à chaque fois que j'ai une meuf, moi aussi, je vais une semaine ou je fais un mois avec mes potes. Mais un ça mois. Fait du bien. Bien sûr, elle aussi. Pour une semaine, je suis pas d'accord. Oui, mais non, mais c'est pas pareil. Les vacances, c'est les vacances. Ah, okay. Mais moi, voilà, mais parce que pourquoi? Moi, c'est beaucoup trop. Et moi, ça n'a rien à voir. Moi, je ne fais rien. Je suis pas du tout dans le délire. Moi, je suis pas dans ce délire d'alcool, tout ça. Moi, je suis en. C'est spartiate. Voilà, mais ça dépend où tu vas. Tu vas à Royan, il se passera rien. Tu vas à Nikonos. Ah, Royan, il y a Daniel, attention. Il y a Daniel à Royan. Il y a quand même la femme la plus chaude de France, Daniel. Mathieu, tu risques plus de lui bouffer que de bouffer des ravioles. Ça veut dire que toi, tu peux pas résister à la tentation. Non, à lui. Alors lui, quand il arrive à Mykonos, bah oui, c'est ça. Il est comme un enfant dans un magasin de jouets. Il veut tout essayer, il est obligé de toucher à tout. Ah, il court comme un fou partout, à tous les rayons. Alors, mais tu le lâches à Mykonos, il est impossible, celui-ci. Il est impossible. Mon mec me dirait, je pars seul une semaine à Mykonos. Non, t'as pas confiance? Tu dis que c'est la fin? Non, mais hey, c'est vrai que moi, ma meuf. C'est une question de confiance. Ma meuf me dit, je vais partir seule à Mykonos. Ma meuf a le droit de partir dans une Seat Ibiza. Les amis, j'y vais chaque année depuis 15 ans avec des amis, des filles, des hétéros. Mykonos, c'est pas non plus. Je suis la vérité. Pour l'instant, ta proposition me titille. Eh ben, viens, t'es bienvenue. J'ai des copines, elles sont fraîches. Tu vas. Elles sont fraîches ou elles sont fraîches up, la pizza? Non, c'est pas de la buitonnière. Elles sont fraîches. Non, tu sais que toi, c'est quand les dates? Donne-moi des dates. Eh ben, c'est du 3 août au 13 août. Super. Je serai là du 3 au 30. Vendu. Bon, Mathieu, Pour l'instant, j'aime bien la proposition d'Hugo. Tu peux me dire deux, trois prénoms qui sont avec toi, Manu? Alors, je peux te parler de Margot. Margot, d'accord. J'adorais la reine, je vois pas pourquoi j'aimerais pas la personne. D'autres prénoms? J'ai l'impression que t'es surtout sur Margot. Margot, ouais. Margot Torti, je donne son nom. Margot Torti. Allez voir sur Instagram. Margot. Et elle Torti. Margot Torti. Non, mais Margot. Margot, bah, très bien. Margot sera là? Margot sera là. C'est qu'on est dans une maison tous ensemble? Ouais, tout à fait. Une maison très sympa. Quelles sont les modalités pour faire partie? C'est bon, tu peux déjà venir, c'est loué, c'est déjà. Ah, donc je ne paye pas. C'est déjà réglé. Royal. Mais tiens, tu es grand prince. T'es un seigneur. Il est dégoûté. Cyril. Du 3 au 13, je suis là-bas. Vous avez une proposition de faire? Non, mais moi, Mathieu est vraiment dégoûté. Il va me faire sa proposition. Ouais. Pour l'instant, c'est Hugo. Okay.
C'est Hugo qui tient là. C'est Hugo qui tient la barre. Et Hugo, je vous le dis, je sens tout de suite, moi les menteurs ou pas, lui c'est pas un menteur. Bon, j'ai une confiance aveugle. Attends Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? Ah non mais je te dis, il pourrait. Non mais je pourrais. Comme, non, mais quand même pas. Mais je pourrais partir. Ah non, j'ai aucun problème avec. J'ai aucun problème avec. Ah Hugo, je pourrais partir avec une semaine. Bah toi oui. Et lui non. Mais lui. Quoi, mais moi quoi, quoi lui, il pourrait partir une semaine avec moi. Lui à Mykonos une semaine. Mais écoute, il sera, ça se trouve, et tu me verras. Ah bah oui. J'espère que vous ne serez pas dans les mêmes soirées. Parce que lui, quand il va au Rambo, c'est pas sa guerre. Béatrice, que vous avez quelque chose à me proposer? Alors moi, j'ai entendu dire sur ce plateau, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien que vous me le confirmiez, que vous avez un très beau bateau. Et donc... qu'il invente tout. Alors, le monde. Je vous dis la vérité, je n'ai pas de bateau. Vous n'avez plus de bateau. Et donc, sur votre bateau invisible, ce serait sympa de faire. On peut se faire un petit tour de Corse. Arriver dans le bord. Je sais combien ça me coûte l'essence. En ce moment, en plus. Donc, laisse tomber, je suis chez Hugo. T'emmerde pas avec ça. Allez, on va tout de suite éliminer la proposition de Daniel. Vas-y. Alors moi, bon, évidemment, je vous propose Royan, mais sachez que quand j'arrive à Royan, ils remettent la façade et ça s'appelle Mykonos. Ah. Mykonos. Donc, c'est sûr que ça va pas Nikomoko. Une chambre c'est avec quoi, vue. C'est quoi le projet de vacances? On fait quoi? Alors, chambre avec vue sur mer et avec sur ma mère, hein, bien sûr, avec vue sur ma mère aussi quand même. Mais bon, ça c'est obligé. Mais voilà, c'est pêche à la moule. Pêche à la moule. Regarde pas. Sur les rochers. Je sens que je vais me fermer comme une huître. Non, t'emmerdes pas. Donc, c'est quoi ça, le problème? C'est pêche à la moule l'après-midi et. Baignade. Baignade et le soir. Et puis, au rancho. Pêche à la moule aussi. Pêche à une. Non, mais c'est pas le rancho. C'est le rancho. On va manger à le rancho le soir. C'est la boîte à la mode là-bas. Enfin, à la mode. Non, c'est vrai, il y a le rancho. La bonne des années 70. Écoute, franchement, pour l'instant, non. Pas cette année. Pas là. Castani, je lui demande pas. Pourquoi? Parce que je ne donnerai jamais. Bah alors, vous avez tort. Non, parce qu'alors, il y a des gens comme ça à problème. Comment ça? Benjamin Castaldi, c'est une personne à problème. Non, mais je vous le dis. Ça veut dire que tu es sûr que tu vas partir en vacances avec lui, il va t'arriver que des couilles. Non, mais c'est l'hiver. Mais tu le sais. Non, mais c'est sûr que je ne viendrai pas avec toi. En fait, tu payes tout. Non, mais tu payes tout. Hein, non, il va avoir que des problèmes. Tu vas louer un bateau. Le bateau, il va prendre un rocher. Je connais. C'est vrai que tu es une personne à problème. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Quoi qu'il arrive, je ne viendrai pas avec toi, mais je t'aime beaucoup. Tu pourras m'appeler. D'accord. Clément. Alors moi, dans un tout autre genre, j'ai besoin de refaire du sport. Ouais. J'ai fait du tennis pendant plusieurs années. J'ai arrêté, donc si vous pouviez m'initier au paddle pendant tout un été... Tout un an, je vais me faire chier. Tu crois vraiment que je suis dépressif, toi, ça y est. Je suis déçu. À Mykonos? Où vous voulez. Paddle à Mykonos? Paddle à Mykonos, ouais. Il y a beaucoup de manches, mais il y a peu de raquettes. Allez, allez, Stan. Non, mais pour l'instant, je vous le dis, pour l'instant, c'est Hugo. Ouais, Hugo, largement. Pour l'instant, m'a séduit. Ouais, ouais. Il a dit des mots qui sonnaient. Il a su. Gratuit. Après, il a dit Margot. Gratuit. Il a dit gratuit. Géraldine. Alors, moi aussi, ce sera gratuit. Ah. Alors, déjà, ça démarre très bien. Je vous l'écoute. Mais moi aussi, je peux même payer. Hein, pour non, mais t'emmerdes pas. même pour 10 000, je viens pas. Alors, avec Daniel, on vous embarque en Sicile. Est-ce que vous connaissez la Sicile? Peur, non, Daniel, le mien aussi. Ah oui, j'ai eu peur. Là, j'ai eu très peur. Je suis encore. Daniel. Elle est partout, celle-ci. Alors, ce sera une semaine, on va dire, paddle. Pas mal. Pizza. Parce qu'il joue. Poker. Ah, je sais que j'aime bien. J'aime bien, mais aucun camp. Parce qu'elles sont sympas, tes vacances. Mais bon, c'est pour toute la journée, je joue au poker. C'est vrai. On fait un petit tour en bateau autour des éoliennes, à Panarea, par exemple. Ah ouais. Voilà, là, il y a plein de jolies filles magnifiques, un peu comme Margot. Ouais, mais bon. Ouais. Et voilà. Alors, je vais te dire, moi, à l'international, je suis zéro. Non, mais il y a beaucoup de Françaises. Non, mais c'est pas un contemplatif, lui, il s'en fout. Alors, Géraldine, j'adore. Toi, j'irai après Hugo. D'accord. Pour vous reposer. Je fais la semaine avec Hugo, après peut-être je suis avec toi. Après peut-être je suis avec toi. Il y a des chances. Benaïm, si c'est pour aller au Maroc chercher des babouches, c'est bon, j'y vais toutes les semaines. On va faire le tour de Warzazan. Moi, je propose un combo. C'est quoi un combo? Le combo, d'abord.
chez Hugo, parce qu'avec Hugo, c'est la fête. Je crois que c'est acté, là, chez moi, c'est Hugo, je pense que c'est pratique. Voilà, c'est fait. Non, non, c'est mort. Et puis après, quand vous... J'allais dire quand vous sortez d'Hugo, mais non, c'est quand vous... Alors, je le dis, et son ami, son fiancé, est quelqu'un que j'aime énormément. Exactement. Et d'ailleurs, je ne mange pas de ce plat-là, même pas quelques biscottes, juste quelques matzahs des fois. Donc, quand vous finissez la semaine avec Hugo, je vous récupère, et on part à Florence. À Florence. Je sais que vous êtes un intellectuel. Attends. Ouais. Vous aimez... Benaïm, ça sent le musée. Si tu veux me quitter, tu veux me quitter à Paris. Hein. on irait main dans la main dans les musées florentins. C'est que sur l'Arnaud, va voir... Tu crois que je vais être main dans la main avec quoi, comme ça, le 17 août. À Florence, mon frère, en train de visiter des musées. Mais tu sais quoi, je rentre ici, je m'ouvre les veines. La pêche, la boule, on va descendre un peu. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est magnifique, ça. C'est de qui ça? Girardelli. C'est magnifique. Non, mais il y a quoi comme musée à Florence? Vous voulez pas qu'on aille chez une meuf qui s'appelle Florence? Non, et puis après, voilà, et on se promènerait dans les ruelles. Ça, c'est magnifique, ça. En fait, c'est chiante, même en vacances. Mais c'est quoi ces vacances rasera? On se promène dans des ruelles. Mais qu'est-ce que tu crois? J'en ai fou de me promener dans les ruelles. Vous, il est dans la course. Il est dans la course. De la concurrence. Attention à lui. Je sais pas que c'est plus excitant. J'organise une semaine nature et découverte à la Grande Motte avec mes meilleurs amis. Mais attendez. Ça va, je suis tranquille. Il y aura de nombreuses activités ressourçantes et relaxantes telles que le pédalo, l'acrobranche, mais aussi le bouffage de cul. Alors, normal. C'est dans le prospectus. Oui, dans un fascicule. Dépliant. Ah, c'est un fascicule. Ouais. D'accord. Ouais, fascicule. D'accord. Et il y a la pension complète. Non, mais je vois. Non, mais je vais certainement aller à Center Chat. J'ai pris un cottage. Allez. Faites ta proposition. T'as rêvé? Alors déjà, j'ai beaucoup rêvé avec Hugo. Ouais. Et Gilles, il vous a pas fait rêver? Gilles, il a rien dit. Franchement, Gilles, non mais on va. Vous demandez même pas. Ouais, on va perdre du temps. C'est dommage. Quand non même mais il y a des choses après. Il y a Patrick Sébastien après nous, tout ça. C'est sûr. Mais vous croyez vraiment que je vais aller en vacances avec Gilles Verdet? Jamais. Non mais si on est connus. Gilles, tu vas te noyer. Dîner avec Fatou à 20h. Cyril, attention, ne bouffe pas ce cul, il est pas frais. C'est bon. Ça va. Bon, t'es prêt? Oui. T'es prêt. Alors. Avant-hier, m'appelle Olivier Roustin, de chez Balmain. J'adore Olivier. Il me dit, j'ai loué la plus belle maison de Mykonos, un bateau de 25 mètres, viens avec qui tu veux. Je lui dis, pourquoi pas Nouna? Il me dit, je l'adore. Là-bas, il y a son coach sportif et surtout, deux mannequins féminins. Wow. Qui fait défiler, qui sont ses amis et qui seront sur place. La baraque, elle a tombé par terre sur Mykonos. On est avec Roustin, on est là, on a toutes les tables. Méfie-toi, Cyril, ça peut être du mytho, ça peut être du mytho, méfie-toi. Mais quel mytho, c'est mon pote, j'ai passé 2 ans de vacances avec lui déjà, je peux te le dire. Et il t'aime beaucoup. Moi aussi, je l'adore. Pense à Margot, Plateau, mannequin, les plus belles plages, Ouktaï, c'est gratuit, on est là. Ah, gratuit, tout est payé. Et tout est payé, il a loué la maison. Vous êtes sûr, même quand vous lui avez dit, il y a Nouna qui vient. Il m'a dit, viens avec ton meilleur ami, je lui ai dit, mais pourquoi pas Nouna? Il m'a dit, putain, je l'adore. On va rigoler. Beau, hein. Et il y a deux mannequins féminins. Alors, t'es un peu jeune pour toi, elles ont 23 ans, elles sont magnifiques. Non mais alors franchement, alors, je suis pas du tout là-dedans. C'est pas possible. Mais vous êtes dans quoi? C'est pas génial? Je le dis, je le dis, j'aime beaucoup ta proposition. C'est égalité avec Olivier. Tu fais moitié-moitié, c'est à côté. Ah, pas mal, hein. Malheureusement, je n'ai que 2 couilles. Il y a une salle de sport. Malheureusement, c'est vrai. Il y a une salle de sport et pour te remercier de toute cette année, je te paye l'aller-retour. Non. Oh là là. Attendez, là, ça va très loin. Ah ouais, ça va loin, là. Ça va très loin. Ouais. Ah ouais. Mais en Transavia Juste pour mettre un petit peu de piment. Ouais. Vous m'avez parlé de mannequins, de bateaux, de villas, de maisons. Est-ce que pour mettre un petit peu de piment, on n'inviterait pas Daniel? Pour l'exotisme. Il est un gars. Il faut demander à Olivier. Donc, j'en parle à Olivier. C'est un homme de défi. Parce qu'elle, elle peut défiler pour balle-pied. Non, voilà. Faut pas de bol.
Vous allez les départager, Cyril, alors. Il t'adore en boîte de nuit, il m'a dit, mais qu'est-ce qui fait rire, ce mec? Je l'adore, mais je l'adore. Ouais. C'est un amour de mec. Comment vous allez les départager, alors, entre vous et Mathieu? Pour l'instant, sachez, je voudrais avoir les dates d'abord. C'est quoi les dates? Ah oui. Ah, ça, je peux demander à Olivier dans la minute. Non, mais c'est quoi? C'est plutôt juillet, c'est plutôt août? C'est août. C'est août. Ah, les deux, c'est août. Toujours août. Donc, je m'incline, Il nous croit maintenant. Ne vous inclinez pas, on ne vous a pas demandé. Hugo. Je me prosterne devant Mathieu. C'est de quand, toi? C'est de quand à quand? Moi, j'ai dit du 3 au 12 ou 13. 13. Pas mal, ça. Je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai confiance. L'ambiance. Tu sens quoi? J'ai peur qu'avec toi, ça parte en cacahuète. Ouais. Mais t'es malade ou quoi? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Ce que tu veux qu'il se passe? Je le sens pas. Je le sens pas. Je suis désolé, je le sens pas. On ira soir bourré. Non, je ne bois pas. Et les top modèles, ça vous dit rien? Non, là. Mange pas de ce pain-là. J'ai déjà dit, je vais rester célibataire pendant 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Et ça a commencé quand? Il fait des grandes soirées dans sa maison tous les soirs. Alors les mannequins arrivent, hommes, champagne, c'est génial. Magnifique. Tu vas adorer. Non, je bois pas. Mais on s'en fout, vie un peu à nous. Je vis, là, je vibre. T'as vu ce que je te propose? Non, mais t'as le choix entre la jet set, tu sais, le match vu et tout, et la simplicité. On va jouer aux cartes le soir aussi. Voilà, des choses parfois simples. C'est quand ces vacances? C'est pas de signer. Si l'autre il croit que je vais me faire chier à jouer au bridge jusqu'à 4h du matin. C'est bon quoi, ça va, hein, Non mais, je vais voir, mais... Les deux, j'ai un peu de temps. Attention. Ah, t'aimes bien, hein? Mais faites 3 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre. Non, on peut pas se partager. On peut pas? Et tu vas revenir, tu seras comme nous. Tu vas bronzé. Fais gaffe, je te dis. Alors, je te dis, c'était la phrase de trop, je ne devrais pas. Non. Mais il n'y a que des meufs dans la baraque. Hugo, je suis avec toi. J'ai vu, tu vois, t'as tourné. Ouais. T'as tourné déjà, je suis même pas encore là-bas que t'as tourné. Tu vas tenir 2 jours à faire des Uno avec des ringards, là. Je peux pas parler de Margot comme ça. Elle la connaît même pas. Je sais même pas qui c'est. Non, mais t'inquiète pas, on est ensemble. Et après, je le dis, je passerai 3 jours avec l'un d'entre vous. Ah ouais? Ouais. Je passerai 3 jours avec Daniel. En désintox. La rehab. Non mais c'est vrai. À Royan avec sa mère là. Des grenadines. Je vais très très bien. Hein. On ira voir des petites grenadines, c'est vrai. On va être bien tous les deux. Des fois diabolo grenadine quoi. Avec des limonades. Voilà. Toi quand même t'es en train de devenir complètement. Ah là là là. Là c'est bien. Ah, ça me fait plaisir de savoir où vous allez passer vacances. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite les. Ah, franchement, une de rien, les personnalités. C'est fou, elle, c'est l'Amérique, elle veut des bateaux. Elle veut, des... Elle veut votre bateau. L'intellectuel, elle est riche. Molo. Bah oui. Elle est pas généreuse, moi je vous invite. Oui, Molo Lastico. Hein, voilà, Géraldine, voilà. Géraldine, c'était pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal, Géraldine. Franchement, c'était pas mal. Ça vous ressemblait pas mal aussi. Ouais, c'est épicurien, c'est sympathique. Ouais, Géraldine, c'est pas mal. Je fais peut-être 2 mois, 3 jours, 3 jours. Je fais peut-être ça.